na maloba ba 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 terme oyo ya kikongo soki tolobi que to kota yango deba to ko perdre le temps c'est ça to luka vraiment sens ya ya likam c'est le but to keina troisième to revenir mbangu deuxième play vuvu kya me munza bya moyo kemu antwa zako nga tu konso vangwa tianza yai vuvu donc ma confiance ou mon espoir se trouve en Dieu vivant, dans le Dieu vivant, mais pas en des hommes de ce monde. C'est ça. Des hommes. Mais pas dans les hommes de ce monde. Ou Vangwa. Les créatures de ce monde. Les créatures. Tout ce qui est, voilà. Créatures, oui, les créatures. Continuons. Ma confiance se trouve en Dieu vivant, mais pas dans les créatures de ce monde. Nga tu konso vangwa kianza yai. Vangwa akoki kozala mutu akoki kozala yoko. Maman pasteur. Va. Vuvu kya me munza bya moyo. Kemu antwa nzako. C'est les humains de ce monde, les gens de ce monde. Je continue. Ma confiance se trouve en Dieu vivant, mais pas en des hommes de ce monde, ni aux créatures de ce monde. Aux créatures de ce monde, c'est cela. Exact. C'est ça. Tout à fait. Ça, troisième couplet. Deuxième, c'est votre troisième. Ngeye kwa me beu vangwa, wena bonso mono, nga ozeye fulu singa kwenda. Troisième élobi. Toi, tu es une créature comme moi. Ngeye kwame beu vangwa. Wena bonso mono. Donc toi, tu es une créature comme moi. Sais-tu où tu iras? Donc, dans cet endroit, je ne sais pas comment on peut préciser ça. Après ta vie, après ton... Ouais, en fait, tu connais-tu ton sort? En fait, c'est l'équivalent. C'est à peu près, c'est comme ça qu'il faut traduire ça. Connais-tu ton sort? Ce qui est prévu pour toi, en fait. C'est ton sort à toi. Comment tu vas finir? Et puis, il y a un Kwame, il y a un Kwame là, et je n'avais pas expliqué. Il y a un Kwame, mais où va en quoi? Il y a un Kwame, donc, dans le cas, il y a un Kwame. Ça dit, voilà. En fait, la traduction que j'avais donnée à le papa Lissika, c'était mon cher ami. C'est mon cher ami. Lui, il avait fait un procès. Un type là qui n'a pas essayé encore. Bon, viens faire la. Je chante, tu as même la mélodie, papa les cigares. Oui, oui, je mets la mélodie en français. Oui, oui. En français, si, c'est disponible. En français, en nature. Très bien, c'était bien fait. Suivons, s'il vous plaît. De la promesse que Dieu m'a fait dans mon enfance, redresser l'œuvre du prophète de Dieu, de la promesse que Dieu m'a fait dans mon enfance, redresser l'œuvre du prophète de Dieu. Le sens de redresser va du sens que Papa Simon Kimangu prend son œuvre du Christ. Jésus commence déjà le ministère là-bas, en Judée. Redresser, c'est pas juste. Quelle que soit l'explication, redresser, c'est pas juste. Redresser, c'est pas le bon terme. Parce que on redresse quelque chose qui est justement pas droit. Ouais. C'est ça le sens même. Oui, mais l'œuvre de Dieu est déjà, avait commencé par en Judée par le Christ. Papa Simon Kimbang veut prendre le relais pour le redresser, dire sa vérité. Papa Gaudi, oui. C'est pas parce que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée qu'elle était bancale. C'est deux choses différentes. Donc redresser, c'est pas le mot juste. Bâtir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire continuer, construire,
ça c'est plus juste. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est déjà sur le troisième couplet. Prends le troisième couplet pour voir ce que tu as. Mon cher ami, créature comme moi, sais-tu où tu iras? En fait, j'ai rajouté des petits U pour que ça corresponde à la mélodie. Pour que ça corresponde à la mélodie par rapport au temps de la chanson. C'est ça. Parce que comme une chanson, ça a des temps et une certaine mélodie. Et ça, mon cher ami, j'ai doublé juste le mot, pour que ça corresponde au temps. Créature comme moi, sais-tu, j'ai doublé encore le mot, où tu iras. D'accord, ça correspond, mais c'est la même chose. Parce que s'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de sens. Pour le troisième couplet, donc on a eu juste cette petite modification. Toi, mon égal, mon cher ami, mon égal, en vrai, si on veut vraiment le mettre en français, mon égal, Ngeye Kwame, toi, mon égal, tu es une créature comme moi. Mais c'est l'équivalent du cher, quand on dit cher, ça dit que tu es cher comme moi, tu es mon semblable, tu es ma chair. Quand on pèse le mot chair, c'est vrai que l'orthographe change, mais c'est le côté de l'humain, tu es semblable comme moi, tu es mon cher. Cher, c'est pas semblable. Cher, c'est pas semblable. Donc, toi, mon semblable, tu es une créature comme moi. Ouais. Sais-tu où tu iras? Donc, on va s'arrêter là pour commencer maintenant l'analyse parce qu'il est déjà 21h. Mais les derniers. Question des mêmes. La livre verbe, c'est la traduction des. Tu les as dit. La livre verbe. Et la livre est partie. Dans celui-là, là ouais. Non. Basala, ta traduction d'elle de non. Des... Donc, Basala, ta traduction, il y a titre. Titre, il y a pas. Donc. C'est le 9e. Babingi balemboloza ya vonzaza noa munkamba ya tungulwa bika twa balonga mpasi bazaya. Babingi balemboloza ya vonzaza noa munkamba ya tungulwa bika twa balonga mpasi bazaya. Beaucoup ne savent pas que l'arche de Noé fut construit ici en Kamba. Eh bien, donnons-leur l'enseignement pour qu'ils le sachent. Comment est l'histoire en fait? C'est le dernier couplet, le 9e que Papa Saïd m'avait donné. C'est le 9e, c'est ça? Oui, le 9e, c'est le 7e. Le 7e, c'est le 7e ça. C'est le 7e. 6e, il y en a bon sur Bouboué. Nge yempangi tusi samandangi ifu dyanka dyampemba buna kumbi nge yempangi tusi samandangi ifu dyanka dyampemba buna kubilungise ukwenda. Après il y a un autre zola nzambi munti maku ke kitu didika ko tangalana ke kitu didika ko, c'est-à-dire ne te vante pas, c'est-à-dire aime ton Dieu. Yeye kwame zola nzambi, aime ton Dieu de ton cœur. Munti maku ke kitu didika ko Bobo yina futu ankadia mpemba. Fonso wena futu ankadia mpemba. Kuna balobi futu bie muntu. Muntu ne yami. Ça c'est là, ça c'est, j'ai l'interview, c'est disponible s'il vous plaît. Fou c'est le dernier. Yeye mpangi tusi samandangi ifu yankadi mpemba. Yeye mpangi tusi samandangi ifu yankadi mpemba. Buna kubilungi situ kwenda. Donc bon, monsieur Zali
En fait, l'inspiré, c'est pas Nkumbu Jules. Voilà. Nkumbu Nzambi, hein? Nkumbu Jules. Mon Nkumbu Nzambi. Papa, c'est donc ça, vous? Papa Nkumbu Jules. Ah. Yano Bagawa. Nani, papa na papa Coco. Eh, oui, tu vas rien écouter. Eh, Mbange, tata, oui, tu on. Papa Coco, Kagazaki, comptable, il a absolu tata naïe. Coco, ça va être. Nkumbu. Papa Rouen. Bon, Tolobi Boye. Titre, ya Zembo et Zali Siloan Zambi. Est-ce que Tozali na combo ya inspiré? Papa, bon, tu vas dire que c'est un combo Jules. Donc, biso batutozo tozana mukumba ya patrimoine wana ya bakantike il faut to lukaka surtout bino batambu ici na ba chorale tango zozo ba nzembo susu eza ya 2016 ya 2017 mais zo ye baté nzembo wana e bima anini po anini tozala ka attentif na biloko wana te. Donc, il faut chercher le titre, la date, le nom de l'inspiré, ainsi que l'histoire du cantique, le contexte dans lequel il a été capté. Ça aussi, c'est très important. Manze Moussousou et Zouamakana va inspirer sur Yoki l'histoire. Déjà, contexte wana a Zuli Nzembo, et ça, histoire déjà, et à Yo. Donc, nous sommes responsables. Déterminer le registre du cantique. Cantique, tu retiens un registre. Est-ce que Ezali louange? Est-ce que Ezali matei? Est-ce que Ezali nzem yabolim ici? Et si loin nzem? Interpellation, c'est la carte à l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Ils ont interprété mon tout évangile. C'est Papa Simon Kimbangu. C'est un cantique que je pourrais dire c'est Kimbangu centrique. C'est un cantique Kimbangu centrique parce que au sein de Kimbangu, les thématiques des chants sont bien définies. Il y a ceux qui sont christocentriques, il y en a ceux qui sont Kimbangu centriques. Et d'autres qui sont en lamentation. Hein, généralement, j'étais qui? Ils sont Kimbangu centriques. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous ai dit que dans mes recherches, j'avais dit j'étais qui, moi, Kimbangu? C'est votre Hollywood. Ils montrent le cachet, ils montrent, c'est notre Hollywood, c'est-à-dire qu'ils montrent les secrets divins à travers les scènes et les théâtres. Et le Christ, c'est la louange, et c'est dirigeant. Et lamentation, c'est les enfants qui sont jeunes, arrivés sur terre, ils savent pas ce qui se passe, et ben ils sont en lamentation, ils pleurent, c'est des jeunes, ça c'est les coriques. Nous, nous mélangeons tous, on est les Bassépestrans Zambé, nous prenons tout, nous faisons la sauce pour faire agrémenter tout le monde de la joie. Voilà. Ce qui, tout le monde, dans l'ingala, papa, pasteur Alobi, interpellation, topé, soit le vie évangile, donc les amis, message, mon co. Donc, à la fois, les amis, promesse, avertissement, les amis, également,
vous avez dit ça parce que le rôle est là, couplé belé. Le couplé est là, peut-être dans le même sens. Donc, ce que vous dites, Maline, c'est donc interpellation. En même temps, ils ont dit promesse. C'est ça. Donc, moi, les a registre, Yanzim. Sikoyo, qui délivre le message? On a Sikoto Koti Awa. Qui délivre le message? Nzembo, nan azali ko pesa yango. Donc, tata Nzambe mutazo ko pesa yango pour la biso. On doit le dire que ça m'a l'air, c'est parce que a expliqué biso bien. À qui s'adresse le message? Le fidèle. Bon, quels sont les mots clés et expressions clés? Nous avons Zaline à 7 couplets. Donc, ici, Kawana Sikoyo, Tobana Rozoa, un peu bas mots clés, Oyo, Ezobima, Naba, la couplet Nyosuana. Le grand message. Sala mon salaire à Tatan Zamé na solo. Ça, c'est le plus grand message. Être vrai simplement. C'est-à-dire, quand nous tournons notre langue, nous soyons vrais. Donc, à partir de là, parce que, pour vous souhaiter un mot, à quel sujet principal se rapporte le message? Ça, c'est d'abord important. Tout à l'heure, un mot. À quel sujet principal se rapporte le message? Le sujet principal, ouais, c'est l'individu. La mission de l'humain sur Terre. La mission de l'humain sur Terre, simplement. La mission de l'humain. Quand ce monde, tout le monde, il y a un ami qui est là. C'est la mission de l'humain sur Terre. Pourquoi Dieu le crée d'ailleurs? Que retenir du message, papa pasteur a aidé Bissot, faire le travail de Dieu dans la vérité. C'est là où ça nous attrape tous. C'est là dans la vérité, c'est là directement serment. Voilà. Faire le travail. C'est un serment. Donc, en fait, ils ont promis, ils ont serment. Oui, c'est un serment. C'est le serment. Nous prêtons serment. Kingavo, quand tu prêtes serment devant la barre, eh ben, si tu ne dis pas la vérité au jugement. Bah, tiens, on a premier plan pour te prêter serment. Que tout ça, la moussala, nous allons au touyeli, nélo, la solo. Oto yeli lelo. Oyo kozala. Na kozala. Ale. Nzo prete yango. Sen. Et bon mayo prekamba la poko. Et à propos de la vérité, papa président, si vous permettez, un petit élément scientifique que nous devons partir avec. Pour ne pas dire que ce n'est pas devant l'Académie Moutima. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, grâce au Mandombe, nous expliquons les faits spirituels scientifiquement. Et là, il n'y a pas de débat. Chinois, japonais, gaulois, caucasien, on les terrasse de la manière qu'il a pris la source égyptienne. Bah, là, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 2, c'est une convention. Aujourd'hui, grâce au Mandombe, nous expliquons les faits. Papa Kisolokele, qui est le potier structurant la matière, tango a tchelo lemu, il a qualifié ça du Congo, la langue de l'Éden, la langue de la création, l'oudini. L'oudini. Oui.
Dans le mot loudi, il y a ce dont on parlait ici, vérité. 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 Si tu ne dis pas la vérité, ah ben, en faisant usage du principe du Mandombe, qui sont deux simplement, la rotation et la symétrie. Ma balouka, yegita la tala. Si tu prends l'usage du principe du Mandombe, tu fais loudi, ça devient dix loups. Donc, si tu ne dis pas la vérité, tu pleureras. Et quand tu pleureras, on a boulungi. Mais il ne donne pas, il donne l'espoir. Passi, toi, vous l'ouzo. Mais non, mais c'est là qu'est le cas. Quel est le cas, c'est l'ouzo. Non, non, c'est-à-dire, non, nous partons dans un principe où on dit tout ça, la moussala, la nzambé, la solo, poète, moukibikisa. Tout à fait, mais c'est ça justement. La mission que nous avons, c'est cela. Un humain, papa qui se retrouve quand tu as mis cet organe dans le corps humain. Là, cet organe-là, quand tu la tournes, il ne fait pas une démonstration de Dilou. Une précision. Papa Godi. Deux secondes, deux secondes. Juste par rapport à Nyoka, Nyoka. Oui, pardon, regardez. L'autre, l'élément que le chacun a utilisé, l'animal, sa langue est fourchue. Regarde. La nôtre, elle est droite. Qu'un son. L'angle de l'humain, c'est droit. Mais Nyoka est fourchu. Donc, Ngoungou, hein, l'hypocrisie, ça c'est très dangereux. Papa qui se souvient avait dit, papa il y a rien à dire que écoutez plutôt cher. Voilà, simplement. Donc, l'animal qui le souvient a utilisé sur terre, qui était le plus intelligent d'ailleurs, hein, serpent, par là il est passé, Nyoka. Par là il est passé, Viokele, voilà qu'à Viokele, c'est ça. Sa langue est fourchue, et nous l'humain, elle est droite. Donc quand tu la tournes, tu vas dire vrai, simplement. C'est bon, il y a mieux les amis. Mais pour le bon, dire. Bah, je n'ai bon, tous les qui ne moussa là.